Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Scomoto, on se retrouve pour une vidéo comment nettoyer correctement son casque. Donc quand il est sali, donc vous voyez pas mais il est un petit peu sale, rien de bien méchant. Donc voilà, donc, il y aura deux critères à respecter. Pour cela il vous faudra une bassine d'eau, produit vaisselle, ça ira. Du produit à vitre pour la vitre. Nous allons commencer avec notre mélange. Donc on prend un peu de liquide vaisselle, peau sensible, hypoallergénique, dégraissant. Voilà. Donc c'est parti. Je vais essayer, je pense, sur mon hand spinner d'ailleurs. Alors, on n'en met pas trop. Hop, on va prendre. Hop, on va prendre ça. Ça commence à faire des petites bulles. Je n'avais pas mis assez en fait. On va faire ça. Voilà, là il y en a assez. Donc on va faire notre petit mélange. Voilà, donc ça commence à y avoir des bulles. Donc c'est pile ce qu'il nous faut. Ça devrait le faire. Hop, je nettoie là. Donc ensuite, deuxième étape, alors on va nettoyer donc tout sauf notre vitre. Donc d'abord on va commencer par protéger d'ailleurs aussi les bandes réfléchissantes. Donc c'est des bandes qui rendent le casque homologué. Donc voilà. Donc c'est parti. On prend notre torchon. Hop. On va tremper un petit bout, il n'y a pas l'étiquette, ce sera mieux. Alors voilà, on a un petit bout. On trempe, hop. Pour pas qu'il soit trop mouillé. Comme ça, on, hop, on trempe et on attend. On va essuyer avec l'autre bout. Et là, on va faire des petits cercles. Je peux voir changement de couleur net. Enfin, le noir qui est plus net. En tout cas. On va frotter comme ça. Donc pour les aérations, n'oubliez pas de les ouvrir et de les fermer. Donc là on commence à fermer. Hop, là on l'ouvre. Hop, et on va frotter un peu pour enlever les petites poussières. A few moments later. Ensuite, nous allons prendre le produit à vitre. Pour ça, on va pas intégrer directement dessus. On va mettre sur le torchon. Donc voilà. Alors, on va passer notre torchon comme ceci. Hop. On va un coup là. Voilà. On en met pas trop, mais quand même assez. Voilà. Hop, voilà. J'oubliais, sur le casque aussi, vous pouvez mettre du brillant plastique.
Donc voilà, d'ailleurs je vais en mettre avec vous.